Attention, à tous les amoureux de Molière, Albert Camus ou autre Victor Hugo, je vous informe que la langue française se fait littéralement violer dans cette vidéo. Je vous invite donc à la quitter immédiatement pour éviter tout risque de malaise et de dépression. Je vous aurais prévenu. Merci. Que les choses soient bien claires entre nous direct, aucune phrase, je dis bien aucune phrase de Franck Ribéry ne sera prononcée dans cette vidéo. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais été obligé de lui consacrer une vidéo à lui tout seul et c'est pas le but. Bon, j'aime beaucoup ce sport, là n'est pas la question. Mais qu'on se le dise, le football et la langue française... C'est pas compatible. T'auras beau forcer et tenter le tout pour le tout, ça ne fonctionnera jamais. Donc pour vous présenter plus facilement ces phrases, je les ai classées dans différentes catégories. Dans la catégorie philosophie. Y a pas de milieu où tu es mauvais, où tu es bon. Nous, on a été moyens. Ok, bonjour, au revoir, c'est Jean-Claude Van Damme. J'ai changé de lunettes et je bois de l'eau. Hein, l'eau c'est la vie, n'oublie pas. Donc j'ai entendu le mot philosophie et ensuite une phrase compliquée. Ça, c'est bon moi. Donc qu'est-ce que tu dis? Toi tu dis, y a pas de milieu. Soit tu es mauvais, soit tu es bon. Nous on a été moyens, sauf que moyen, c'est pas possible. Imaginons que tu ramènes une fille chez toi, après une soirée bien arrosée. Attention hein, l'alcool ça tue, l'alcool c'est mauvais. Ça te détruit le cerveau avec la connexion avec la nature. Ok, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu la ramènes sur ton lit et tu t'apprêtes à faire un... Ok hein, t'as compris hein, comme un coup de karaté. Mais c'est pas du karaté, c'est autre chose. Et là, imagine que ton zizi, la première moitié soit toute dure, et la deuxième moitié toute molle. C'est impossible. Donc soit c'est tout dur, soit c'est tout mou. Mais c'est pas les deux en même temps. Et ben là, c'est pareil avec toi. Je crois que j'ai deux pieds. J'ai cette faculté depuis tout petit. Je sais pas ce qui me fascine le plus dans cette phrase. Que le mec soit content d'avoir une faculté que tout le monde a, ou alors qu'il dise « Je crois que j'ai deux pieds, c'est pas sûr. C'est à voir. » Des fois oui, des fois non. Écoute, pars au vestiaire, je te confirme ça dans 5 minutes. En compétition, vous savez, il y a toujours un premier, un dernier. Mais l'important, c'est de ne pas être le second de soi-même. Quoi ? Mes parents ont toujours été là pour moi, depuis que j'ai 7 ans. Donc depuis sa naissance à ses 7 ans, les parents de David n'étaient pas là. David était seul. Mais à 7 ans, ils sont apparus, ils ont fait « Salut ! C'est nous ! Papa et maman !» Et bah voilà, c'est nous. Enchanté. Dans la catégorie mathématiques. Deux occasions, un but, c'est ce que j'appelle du 100%. Et non, malheureusement, ça ne fait pas 100%. De tête, comme ça, je dirais 60%. 4%. On peut arrondir à 65. Écoute, on va pas débattre là-dessus longtemps, j'ai raison. Pour te rappeler, j'ai eu 6 au bac de maths, donc je sais de quoi je parle quand même. Et puis si je peux rajouter une chose, moi et les mathématiques, ça fait 3. Et ouais. On devait maîtriser le match à 99%. Malheureusement, c'est les 3% restants qui nous ont été fatales. Non plus, c'est pas 3%, là c'est 1%. Oh, c'est rien, bah fais du c'est toi. Allez, c'est pas grand chose. Dans la catégorie, j'utilise un mot trop compliqué dont je ne connais pas le sens. Comme je le dis souvent, le football est un éternel reprouvement. Bon là, ça va être le côté un petit peu « je vous apprends des trucs hein, », parce qu'il faut bien que je vous apprenne quelques petites choses quand même. Donc le mot « reprouvement » ne veut rien dire. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, vous ne le trouvez nulle part sauf chez Mamadou Sakho. Donc essayez de trouver une propre définition de ce mot. Le public est versatile, il faut qu'il change. Là, cette phrase, elle est pas si débile que ça. Parce que versatile, ça veut dire qu'il change facilement d'opinion. Sauf que le problème, c'est qu'un public, c'est con, ça n'a aucune une opinion. Un public, ça crie, ça chante, ça jette dans les bras, ça boit des bières et des fois, ça se déshabille. Oh ouais. Quand tu vois le gros Jackie enlever son t-shirt pour faire chanter toute une tribune et que tu vois son gros bide faire des vagues, c'est super excitant. Dans la catégorie, les linguistes. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Ah toi aussi, t'as les épaules sur la tête? C'est cool. Le coach, il m'a demandé de prendre les intervalles. Pardon, les intervaux. Oh non, 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 trop dommage. Pour une fois qu'un footballeur allait réussir à faire sujet, verbe, complément, accord. Oh non, 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 non. Oh, c'est pas possible de faire ça. Se reprendre pour faire une erreur. T'étais bon, il fallait que t'arrêtes. Fallait que t'arrêtes de parler à ce moment-là. Il faut qu'on y va. Non mais t'imagines, t'es en pleine Coupe du Monde, t'as besoin de motivation, on te sort cette phrase. Ah mais moi, c'est même pas la peine de continuer. Ma carrière, elle est détruite, j'arrête direct. Écoutez-moi bien les gars, aujourd'hui c'est notre minute, c'est notre heure, c'est notre match, c'est notre journée. On est à la Coupe du Monde, la plus grande compétition de football au monde. Je veux des guerriers, je veux des combattants. Nos adversaires, on les détruit, on les flingue, on les laisse sur le terrain. Je compte sur vous, tous et tous, autant que vous êtes. Alors il faut qu'on y va. Qui me suivre? Vous êtes où? Dans la catégorie, t'aurais dû te taire, surtout pour dire une connerie pareille. Alors, on a perdu, car on n'a pas gagné. C'est pas vrai, sans déconner. C'est dingue. Mais attends, cette excuse, elle est géniale. Papa, maman, je dois vous annoncer quelque chose. J'ai eu une mauvaise note. Mais attention, avant que vous m'engueuliez, c'est parce que j'ai pas eu une bonne note. Et ça, c'est inadmissible. Vous êtes pas d'accord?
Nous voulons baptiser ma fille Brooklyn, mais nous ne savons pas encore de quelle religion. Alors David, concernant la religion de ta fille, t'as pas mal de choix, mais si je pouvais te donner un conseil, prends la religion Jedi, direct. Soyez versatile, soyez reprouvement aussi, c'est très très important. Et puis j'espère que la religion Jedi vous gardera longtemps. Amen.